La deuxième journée des championnats du monde junior, le quart de finale contre l'Argentine. Vous saviez d'ailleurs que l'Argentine, c'est un pays du Brésil, le meilleur pays du monde pour le foot. Ah, maintenant, ça rigolait plus. Notre plus gros problème, ça allait être lui, le numéro 10 argentin, Diaz, et son pote Pasquale. Et les autres, c'était des figurants. Le public est en nombre ce soir pour le match Japon-Argentine, une rencontre au sommet entre deux des équipes les plus prometteuses de ce championnat. Rappelons que le vainqueur ira rejoindre en demi-finale le gagnant du match France-Pays-Bas pour espérer décrocher une place en finale. Et c'est donc le Japon qui donne le coup d'envoi de cette première période avec Olivier Hatton, capitaine de l'équipe japonaise, qui se précipite immédiatement au duel avec Diaz, le capitaine argentin. Pas besoin de faire des passes dans ce jeu, ça sert à rien. C'est la confrontation que tout le monde voulait voir et elle arrive dans les premières secondes de ce match. Les joueurs doivent courir moins vite qu'une grand-mère malade pour mettre autant de temps à se rencontrer. Alors qu'ils étaient à quelques mètres seulement l'un de l'autre, ou alors c'est pour faire durer le plaisir et ça leur laisse le temps de faire des flashbacks. Le choc est brutal, mais c'est Diaz qui sort finalement vainqueur de ce duel. Hatton aurait-il enfin trouvé son maître? Hatton aurait-il dû faire une passe? Mais la balle est récupérée par le numéro 10 japonais profitant d'un flashback de Diaz. Passe pour un des jumeaux d'Eric côté gauche qui remet sur Hatton. Hatton centre du terrain pour Mark Landers qui reçoit la balle et arme son tir pour un boulet de canon qui part vers les cages de l'Argentine. Ballon repoussé par le gardien qui retombe à la surface dans les pieds de James d'Eric. Puis repris par Hatton en position de tir avec un boulevard côté droit. Mais ce coup-ci, le ballon sera bien capté par le gardien argentin. Première action dangereuse du Japon. Le match commençait bien. On leur mettait la pression et moi, je perdais tous mes ballons. Comme à chaque fois. Ouais, enfin, en même temps, c'est facile. Nous, on a 11 personnages principaux et ils en ont que 2. Alors forcément, même l'entraîneur argentin, il connaît pas le nom de tous ses joueurs. La balle repart côté argentin pour le numéro 8 qui centre pour son capitaine. Et que fait-il? Je n'ai jamais vu cette technique avant, mais c'est probablement parce que c'est complètement stupide de faire ça. Il vient de faire un double salto arrière vrillé du Lotus Bleu et le voilà maintenant qu'il s'élance dans les airs pour une retournée acrobatique. Ce qui me fait demander à quoi servait le salto arrière précédent. La balle part à toute vitesse vers les cages de Ed Warner qui saute sur 33 mètres dans les cages du stade d'à côté et arrête la balle. Manque de maîtrise pour le capitaine argentin. Peut-être aurait-il mieux valu qu'il fasse un triple salto et non pas se contenter d'un double, qui sait. Il avait certes pas marqué, mais l'avertissement était clair. Il pouvait se la péter encore plus que moi. Et ça... ça, c'était hors de questionnement. Ed Warner relance sur Hatton, mais balle interceptée par le numéro 2 argentin qui renvoie la balle sur son avant-centre, immédiatement taclé par Clifford Yoon qui dévisse son tacle. Et c'est Bruce Harper, le dernier défenseur du Japon, qui se jette à son tour dans la mêlée. Bruce Harper, hein, c'est un peu le crinin de l'équipe. Il a une voix insupportable, globalement il est nul, et des fois il se sacrifie, mais ça sert à rien. Et pourtant l'équipe l'aime bien. Je pense que ça les aide à se sentir supérieurs. Centre droit côté argentin remis sur Diaz au centre qui trébuche n'importe comment à moins que... Non, attendez! Attendez, c'est une nouvelle technique à la con pour se la péter! Le ballon tremble dans tous les sens, c'est le vibromasseur démoniaque! Mais la balle est à nouveau interceptée par Ed Warner au grand dam de Diaz! Le temps commence à filer dans cette première période et aucune des deux équipes n'arrive à se départager. Les deux gardiens arrêtent toute tentative d'un côté comme de l'autre. La balle est récupérée côté argentin qui repart à l'attaque avec une série de 1-2. C'est Diaz qui récupère la balle et se prépare à frapper. Mais attendez, cette technique, cette animation qui est complètement recyclée. La balle file dans le ciel, il s'agit du tir de la feuille morte d'Olivier Hatton qui s'appelait tir de l'aigle dans l'épisode précédent. Probablement une erreur de traduction foireuse des animateurs français, mais de toute façon tout le monde s'en branle. Non mais nique sa mère quoi, attendez, c'est le seul truc que je sais faire, alors si on me le pique, moi je vais où? Ed Warner intercepte le ballon difficilement, mais celui-ci continue à glisser dans les mains du gardien japonais, alors que les scientifiques viennent de nous appeler pour nous prévenir d'un arrêt brutal de la gravité sur le stade. Warner essaye d'attraper le ballon en deux mains, mais celui-ci s'échappe. Grosse panique sur le but japonais, et ballon récupéré par un tacle glissé de Clifford Yoon qui dégage la balle pour le Japon. Attends à l'interception qui se fait subtiliser le ballon par le capitaine argentin, aussitôt mis à terre par Mark Landers qui arme son tir de tigre. L'avant-centre japonais frappe de toutes ses forces et c'est le but! 1-0 pour le Japon! Et c'est sur ce score que s'achève la première mi-temps de cette rencontre! 1-0, c'est pas mal, mais c'est largement insuffisant. Hein. On n'est pas à l'abri d'une remontée des Argentins. Ce soir, je pense que je les priverai de repas. Ça leur apprendra que la souffrance, ben. Ça fera
fait mal. Et c'est l'Argentine qui engage cette deuxième mi-temps. Le joueur argentin est immédiatement taclé par Hatton, lui-même intercepté par Diaz. Le ballon circule côté droit, côté japonais, qui remet sur son capitaine. 1-2 entre les deux joueurs. Diaz en position de tir pour le banana shoot. Et en tout cas, c'est comme ça que ça sonne en japonais. Boulet de ca... Non ! Non ! C'est un tir brossé ! Extrêmement brossé ! C'est même tellement brossé qu'il fait des virages de montagne à 145 degrés ! Mais le ballon est encore une fois intercepté par Ed Warner ! Qui tient bon, Ed Warner qui, rappelons-le, n'a pas encore pris un seul but dans ce championnat ! Ed Warner, c'était le gardien de la Toho, l'équipe de Mark Landers. C'était le meilleur gardien du monde. À part Thomas Price. Et le gardien italien qu'on a battu la dernière fois. Et très probablement tout un tas de gardiens qu'on n'a pas encore rencontrés. En fait, il y a beaucoup de meilleurs gardiens du monde dans cette série. Mais Ed Warner, il était quand même très bon. Même s'il arrêtait les ballons de manière bizarre parfois, j'avoue. Ed Warner envoie la balle en jeu qui atterrit dans les pieds du numéro 12, Philippe Callahan, qui a passé la vitesse supraluminique et qui, oh là là, il décoche un tir de l'aigle lui aussi. Décidément, cette équipe est un putain de zoo. La balle arrive dans les pieds du capitaine Hatton qui reprend la balle de volée en direction de Mark Landers. Mark Landers vient marqué par deux attaquants argentins. Mais attendez, attendez, Mark Landers accélère et se libère du marquage pour une tête plongeante du tigre, tandis que l'équipe argentine a complètement disparu du terrain. Le scénario est cruel et implacable pour les Argentins qui n'ont pas le droit de jouer. Mais le gardien argentin réussit malgré tout à intercepter ce ballon pauvrement repris de la tête par Landers. Cependant, la panique dans le but argentin est totale. L'attaque continue de progresser côté droit avec une passe sur Hatton qui va reprendre de la tête pour les frères d'Eric en position de tir. Les jumeaux d'Eric qui courent côte à côte pour frapper le ballon ensemble. Je suis pas vraiment sûr que ce genre de choses marche en vrai, même si c'est vachement impressionnant à voir. Diaz se projette sur le ballon et meurt sur le coup. Cervicale brisée, appelez la famille. Et c'est un ballon atteint de la maladie de Parkinson qui sera intercepté par le gardien grâce au sacrifice de son capitaine. Le ballon repart côté argentin dans les pieds du numéro 6, intercepté par James Derrick qui centre pour Hatton, à nouveau en position de tir. La pression sur le but argentin est insupportable. Diaz se précipite à nouveau sur la balle, tandis que Hatton se prépare à nucléariser le ballon avec un tir de la feuille morte. Diaz est propulsé hors des tribunes. Et attendez, attendez, ce n'est pas une feuille morte, ce n'est pas un avion, c'est un putain de phénix. Le gardien est légèrement contrarié de se retrouver face à une créature mystique de légende et saute sur le ballon, mais trop tard, c'est le but. Le ballon explose les filets et vient de tuer 4 stadiers au passage. 2-0 pour le Japon. S'il avait arrêté le ballon, il serait mort, hein. Je veux dire, vivre avec les deux bras arrachés, c'est difficile. Hein. À vrai dire, je visais sa tête. Hein. Je me dis, si le gardien meurt, on a automatiquement gagné le match. Non ? Parce qu'au Japon, c'est comme ça. Le Japon mène 2-0 maintenant et c'est Ben Baker, le numéro 24, qui rentre pour remplacer Patrick Everett sous les applaudissements du public. Rappelons que Ben Baker joue au Paris Saint-Germain et c'est une vraie information, vous pouvez vérifier sur Internet. L'Argentine menée a maintenant 2 buts à rattraper. Passe en retrait côté droit intercepté par Hatton qui envoie valser l'ailier argentin. Hatton qui passe à James Derrick derrière lui qui lui remet la balle. Hatton qui fonce pour reprendre le ballon de volée au centre du terrain. Mais Diaz saute pour intercepter le tir avec le salto avant complètement inutile. Les deux joueurs s'affrontent dans les airs alors que le ballon s'envole. Mais quelle est cette ombre qui surgit de la nuit? C'est Ben Baker et il vole! Il vole! C'est incroyable! Regardez-le fondre l'air tel un oiseau! Il se retourne, c'est une retournée acrobatique. Le gardien plongé est battu, mais la balle sort du cadre et file en sortie de but. Grosse alerte encore une fois sur le but argentin. La balle est dégagée côté argentin, côté droit qui remet directement sur Diaz. 1-2 avec Diaz en position de tir qui arme à nouveau un tir de la feuille morte. C'est quand même un temps bien pourri pour un truc qui va aussi vite. Warner plonge sur le ballon, mais la puissance est au-dessus des 9000. But! But pour l'Argentine! L'Argentine revient dans la partie et moi je crache du sang! Est-ce que vous pouvez appeler mes parents, s'il vous plaît? Je veux rentrer chez moi. Il ne reste que quelques secondes dans cette partie et Hatton repart à l'attaque. Hatton seul face au but argentin qui se prépare pour un boulet de canon. Un premier défenseur est éjecté, suivi d'un deuxième. C'est de nouveau son putain de tir du phénix. Le goal se met en position. S'il vous plaît, ne déchirez pas encore les filets, ça coûte cher. Arrêt! Arrêt! Arrêt du gardien qui reçoit le ballon de plein fouet. Non! Non, ça ne suffit pas! But! But du Japon! 3-1 pour le Japon! Sur ce meurtre d'Olivier Hatton! Et c'est fini! Victoire 3-1 du Japon! Le Japon qui se qualifie donc pour les demi-finales! Et on m'informe du résultat de l'autre match! Le Japon affrontera donc le pays
Organisateurs, rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour la rencontre entre le Japon et la France. J'avais hâte de rencontrer les Français. Il paraît qu'ils sont tous blonds aux yeux bleus, qu'ils habitent dans des châteaux et qu'ils viennent au stade à dos de cheval blanc. En tout cas, c'est maintenant que le plus dur nous attend. Les Français sont les favoris de ce championnat.